Est-ce que je peux vous interviewer sur la journée d'un directeur? Oui, bah attendez, finis une partie. Oui, bon, bah c'est bon, j'ai fini ma partie. Alors, je voudrais savoir ce qu'il y a dans un bureau de directeur. Bah, rien de spécial. Sauf mon casse-croûte quand il y a un petit creux. D'accord. Mon oreiller quand c'est l'heure de la sieste. Oh bah, d'ailleurs c'est l'heure de la sieste. D'accord, drôle de directeur. C'était donc le directeur du centre aéré de Montbiseau, Grégory. Me revoici avec le directeur du centre aéré de Montbiseau, Grégory. Puis-je aller visiter votre voiture? Oui, allez, suivez-moi. Je vais vous interviewer. Oui. Vers quelle heure vous réveillez-vous? Bah, je suis à Grasse-Mat, hein, comme tous les matins. Vous prenez quoi au petit déjeuner? Des chips dans mon café. Dormez-vous souvent au centre aéré? C'est mieux qu'on s'en prenne quand je suis fatiguée. Je peux fouiller dans votre voiture? Oui, allez-y. À quoi ça vous sert? Bah, ça, bah, on sait pas à quoi s'attendre avec les enfants, hein. Et non, je rigole, c'est un pistolet à eau. Alors, nous sommes toujours au centre. Les deux garçons qui se battent. Grégory, j'ai un truc à vous annoncer. Je ne suis pas journaliste, mais je suis inspecteur et je crois que vous allez être viré de votre travail. C'était Margot en direct pour le centre de loisirs sur la vie d'un directeur. Merci.